Allô tout le monde, c'est tout ça quoi. Alors, en collaboration avec Benny, parce qu'il faut quand même demander l'autorisation, parce qu'il faut faire les chèques et tout ça. Après les Natutos, les Benny Tutos, eh bien moi je vous propose, moi, les Tata Tutos. Alors aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de formidable parce que il fait beau, c'est l'été, il y a des mouches comme ça dehors, donc on a fait la vidéo de l'intérieur. Je vous propose la construction rapide, facile et efficace d'une petite cabane à moineaux. C'est tendance. Absolument. Alors, on ne vous montrera pas les plans, parce que les plans, c'est pas nécessaire, et puis il faut quand même pas être une super lumière pour mettre quatre planches de bois ensemble. Hein. Alors, présentation des outils, parce que c'est ça qui compte le plus. Ça vous prendra un marteau, un tournevis, un bâton de colle, des clous et, évidemment, matériel essentiel de tout bon bricoleur, une boîte de pansement. Éventuellement, vous pouvez aussi rajouter dans un coin proche de vous un numéro de téléphone d'urgence. Sait-on jamais, ça peut toujours servir. Alors, une fois que vous avez coupé vos planches et que vous les avez poncées, évidemment, parce que nous ne sommes pas des porcs, nous aimons bien les choses qui sont lisses, bien faites et tout ça, vous pouvez donc assembler votre cabane à oiseaux. Et je vais vous dire un truc, moi qui suis super pas doué en bricolage, quand je vois ce que j'ai réussi à faire, je suis épaté. Je m'épatate. Produit fini, je vous le montre. Alors évidemment, la colle n'est pas encore tout à fait sèche, mais quand même, et franchement, c'est à la portée de n'importe qui. Regardez ça, regardez, c'est magnifique, hein, c'est superbe. Voilà, bien ajouré, bien espacé. Vraiment, c'est vraiment sublime. Et c'est vraiment très très facile à faire, surtout pour quelqu'un comme moi qui ne suis pas bricoleur. Avouez quand même que c'est pas mal. Bon, c'est vrai, il n'y a pas de porte. Mais moi, je me dis, rendu là, moi, j'en ai rien à carrer, quoi. Je veux dire, si le piaf, il veut se faire une porte, il va se la faire lui-même. Il y a tous les outils sur la table, hein. Alors, il fera un éclairage, un système d'alarme, éventuellement un ascenseur et une sonnette. Ça peut toujours servir. C'est quand même pas mal, non? Alors, amusez-vous bien, évidemment. C'est pour les petits oiseaux. Si vous voulez une dinde ou un dindon sauvage là-dedans, le mieux, c'est d'en capturer un, vous le mettez sur la table, vous le fixez solidement et vous construisez la cabane autour. Logique. Ça aussi, ça fait partie de multitask, ce truc-là. Ok? Bon bricolage, tout le monde. Qu'est-ce que c'est beau. J'en reviens pas. C'est fort. Ouais, c'est fort. Tellement.